troisième âge me dise bien. Ce qui est mauvais aujourd'hui, vous avez vu de la manière qu'on a maltraité Gaïka. Le quartier de Yima n'aime pas voir les jeunes de Yima s'élever. On a trop la haine, on a trop la jalousie. Et on veut en sorte qu'il n'y a qu'un seul côté qui doit manger, qui doit gagner. Moi aujourd'hui, là, tout le couloir, la population de Yima a vu de la manière, tout le monde, je le dis en politique. La façon qu'on a traité ce petit, ça n'a pas été un sujet de la politique. Moi, je suis dans le Yima aujourd'hui, ça fait, j'ai 57 ans aujourd'hui, je ne me suis jamais levé un jour pour faire politique. Mais je vais me lever dans ce quartier à faire maison. Dans ce quartier, j'ai investi dans mon terrain, le terrain de mon père. J'ai une maison, je suis veuve que mon mari m'a laissé. On ne fait marier. Et les Yima n'aiment pas voir les jeunes de les Yima se lever contre leur maman pour prendre la comment dirais-je, se lever, prendre le devant sur la vie de la population, les Yima. Et le seul qui reste dans le Yima, c'est Gaëtan Ayami. Si aujourd'hui, ce petit est en train de s'élever, ce n'est pas pour affaire politique, affaire maison. Nous tous, on est là aujourd'hui. Tous ces mamans qui sont là ne sont pas levées à cause de la politique. On est là aujourd'hui à cause de nos maisons. Et au 1, Batola a dit, nous, on devait aller dans le site Kai. Komilog n'embauche pas les jeunes de le Yima. Qu'allons faire les gens au niveau dans le site Kai. Les mesures de terrain n'ont pas été respectées. Aujourd'hui, le terrain va à 1 500 000. Si tu n'as pas un terrain, si tu n'as pas 1 500 000, tu n'as pas un terrain. Nos enfants ne travaillent pas. Aujourd'hui, même dans la sous-traitance, les gens travaillent, il n'y a pas les paiements. Les jeunes de l'Eyima, même les jeunes de Mwanda, il faut 1 mois, 3 mois sans paiement. Vous allez nous enlever de l'Eyima pour aller dans Ekaï. On a déjà perdu nos terrains. Et maintenant, les enfants qui vont venir, les petits-fils vont aller construire où? Au moment là où un terrain va à 1 million, 1 million 500. Pour les enfants, nos petits-fils ne travaillent pas. Qui aura 1 million 500. J'ai une fille aujourd'hui qui a conçu dans mon terrain. C'est parce que c'est un terrain laissé par son grand-père. Moi, j'ai conçu avec mon défunt mari et ma fille aujourd'hui a une grande maison là-bas qu'elle a conçue. Maintenant, quand on regarde la manière dont est Batolo, nous, on n'a pas de terrain, des parcelles. Moi, j'ai un domaine laissé par mon feu mari. J'ai un domaine laissé par mon défunt papa. Et je ne peux pas perdre ça. C'est la cause aujourd'hui que nous, on est en train, moi, je me bats plus sur l'affaire des terrains. Quand un enfant s'élève, il a déjà un âge d'avoir sa famille. Il faut un terrain avant de construire. Il n'a pas le travail. Est-ce que sans travail, quelqu'un peut s'acheter un terrain qui va à 1 million, 1 million 500 non. Moi, je m'arrête là. Et avec un terrain qui va à 1 million, vous avez pu arrêter en fait l'image sur les jeunes de l'Eyima qui combattent pour la population de l'Eyima.